C'est dans la plaine de Ninive, à 20 km de Karakoche et à 50 de Moussoul, que s'élève le monastère de Marbena Messara. C'est probablement le lieu le plus important de l'église syriaque catholique. Pendant 2 ans et demi, il est la cible de Daesh lors de l'occupation de la région par l'État islamique entre 2014 et 2016. Construit au IVe siècle par Sennachérib II, roi de la capitale assyrienne Nimrod, ce couvent est un trésor d'architecture. Il est édifié après la conversion au christianisme des enfants du roi, Benham et Sarah, après la guérison miraculeuse de Sarah. Fou de colère, le roi décide de liquider ses propres enfants et les 40 compagnons de la suite princière. C'est ici que l'armée du roi les ont tués, massacrés, c'est ici en bas. Alors, pris de remords, le roi se convertit à son tour et fait construire le monastère. C'est le début de la conversion de l'Assyrie au christianisme. Sur ces images d'archives, on découvre un lieu de mémoire dédié aux martyrs des enfants. Aménagé au XIVe siècle, il attire très vite les fidèles qui viennent y demander guérison et fertilité par l'intercession des saints. En mars 2015, le martyrium a été détruit à l'explosif par Daesh. Cet édifice porte le témoignage des diverses civilisations qui l'a abrité. Le monastère appartient d'abord à l'Église de l'Orient. Il devient par la suite syriaque orthodoxe. Et ce n'est qu'en 1839 que le monastère se rallie à Rome et devient définitivement un lieu de prière syriaque catholique. Les moines priaient ici, en deux groupes. Alors ici, on mettait la croix, il y avait une croix. Ici, une écriture qui est gardée, « Slibo scho ». La croix a vaincu. Les croix que nous avons ici ressemblent à des fleurs. Ça nous présente la foi chrétienne qui est toujours belle. À l'intérieur, plusieurs étapes de restauration ont permis d'embellir l'édifice. L'église, l'autel et des sculptures sont ajoutées en 1164. Sur les murs, les portes, les chambranles et les linteaux, on distingue encore aujourd'hui les noms des donateurs et des artistes qui ont participé aux travaux. Sur ce mur, en face de l'entrée de l'église, se trouve la pièce emblématique du couvent. C'est un haut-relief représentant Saint Benham à cheval, terrassant le diable. Entièrement buriné par Daesh, cette œuvre en stuc incrustée dans le mur date probablement du XVe siècle. Le bas-relief de Sainte-Sarah, sur le pilier en face, a été détruit de la même manière. Ces haut-reliefs ont été faits par la main des moines de Tikrit. Les Tikritains étaient des chrétiens venus dans ces contrées. Il y a eu parmi eux des gens qui sont devenus moines et ils ont travaillé dans cette église. Et ils ont construit cette église avec des écritures en syriaque et même en arabe. Enfin, la cour intérieure abrite pendant des siècles une des richesses du couvent. Une bibliothèque contenant des livres liturgiques de grande valeur et près de 300 manuscrits. Certains dataient du XIIIe siècle. La majorité a été brûlée. Aujourd'hui, ceux qui ont pu être sauvés sont conservés en lieu sûr. Au lieu de culture et de prière, le couvent de Marbena Messara était aussi un lieu de rencontre. Beaucoup d'habitants de la ville de Karakoche, toute proche, y sont toujours attachés. عيد مار بهنام اللي تجتمع كل المناطق إلى دير مار بهنام وحتى من الخارج تيجي زيارة لدير مار بهنام ألمانيا فرنسا أمريكا بلجيكا كافة دول العالم تيجي زيارة لدير مار بهنام 10-12 من كل سنة هو يوم عيد مار بهنام زيارة تروح كل قرقوش إلى دير مار بهنام وكل المسيحيين بصورة عامة يعني موجودين.
لأن هذا يسوي تجارب، يعني مثل ما قلت يسوي أشكال والوان، يعني من واحد يطلب منه كل شيء يصير. والله دير كلش طيب، وكنا نروح بالعيد نعيط القاس، ويقعد نقعد لي ساعة واحدة بالليل عند القاس، يعني كنا فرحانين كثير.